Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Edith Depas qui s'épouse, qui s'est mardant DG, ministre qu'il s'y a communication, qui pèsait la ville. Samedi est passé à l'an, samedi qui était exactement 2 avril, la Cali n'a peigné 37 individus armés qui entrent dans la caille DGA qui tuait madame ni. Mais DGA qui pas présent dans un moment. La police qui a arrêté yon, on dit, innocent. Madame dinos, alors, et, alors, pas une adolescent, alors, adolescent, me donne des préférences. Un adolescent, 14 d'années sous tête li, il est à suspect monsieur comme résumé complice dans la mort et dame nan, puisque c'est parce qu'on a habité fréquenté et la caille madame nan et Edith Depas qui c'est madame directeur des général DG et DG ministère de la communication à Jandia et adolescent ça qui est 14 d'années qui qu'on a habité fréquenté la caille moun silayo, mais il a arrêté li comme une qui t'a suspect pour complice li avec bandit qui était entré la caille d'Amnan, Edith Depas, qui c'est madame DG, directeur général, ministère de la communication, et qui pèse la ville, samedi 2 avril, passé en là, gagné papa la police, Gary Desrosiers, qui portait ensemble de précisions, ensemble informations concernant la mort d'Amsa et arrestation qui fait. La police a arrêté un mineur de 14 ans, et qui est Joseph Livano. Et dans le cadre dossier assassinat sous Madame Edith Depas, 53 ans, et qui s'est épouse, actuel directeur ministère de la Culture. Incident malheureux ça lui est produit malheureusement pendant le week-end. Et à peine 37 dans rue Laurier et passe Pavillon. Pour le moment, le service d'investigation au niveau commissariat et Peignéen a questionné la cuisinelle, la mené enquête préliminaire là. Et pour acheminer le dossier ça au niveau de la direction centrale de la police judiciaire dans la section homicide. Car dit-on que pendant le week-end, DCPJ tout a arrêté Pierre Junior et dans Torcel, il était activement recherché dans quatre dossiers enlèvement et séquestration qui étaient faits sur une dame de 41 ans et qui était libérée par la DCPJ le 18 mars 2022. Et nous songer à l'événement qui a fait dans Thomasin, côté que était enlevé dans la Caraïbe, il était séquestré dans un torsel et la police a des informations sous Pierre Junior qui lui-même et c'est un kidnappé et côté que DCBJ a arrêté et DCBJ a prévu actuellement. DCBJ a arrêté tout sous mandat et Cassar Blanco qui dont il est gros enfant. Et à proximité de l'hôtel Lee, dans la zone Cafouita, et c'était activement recherché, et j'en dis en sous-mandat, et chef d'accusation, assassinat, association de malfaiteurs, et il s'est transféré déjà au parquet de la Croix des Bouquets. Dans Inche, la police a arrêté Joseph Josen, 27 ans, et dans une section communale qui est à Guédio, et qui est la troisième section communale dans la zone Sahara, dite en possession de un pistolet de calibre 9 mm. Alors, on a dit tout que l'opération va continuer au niveau Croix des Bouquets, et parce que depuis bien des semaines, et Capin a chassé sous Croix des Bouquets, et que lié, et pour que nous sommes capables de faire tout ça, nous connaissons avec la population, pour que nous sommes capables d'arriver libérer nous dans nos zones et permettre que nous vaquions libre de l'activité. C'est certain que nous ne sommes pas capables de faire pour nous, mais nous toujours compter sur l'appui population. Hein. Et présence de la police toujours un peu partout, dans les quartiers, dans la zone métropolitaine. Non, c'est certain qu'il ne va pas couvrir toute zone métropolitaine, non, vu question logistique, mais avec le peu, on a fait le maximum. Et voilà, ça c'est précision, mais détails qui peut être bon côté par rapport à la police, hein, qui c'est. Gary et Desrosiers concernant la mort. Eh bien, madame Edith Depas, qui c'est madame Camille Depas, qui c'est directeur général ministère de la communication. Mais le ministère de la communication qui met en note sympathie de York, côté ministère de la communication, l'ex-M. Darité Li et sympathie liée avec monsieur Camille Depas, qui c'est directeur général institution. C'est là, côté madame Edith Depas, perdit la vie, la bien assassinée.
assassiné la Kaili samedi 2 avril 2022. Un présumé criminel, là, c'était un jeune garçon, adolescent, ça, qui est à travail pour couple, mais qui connaît Kala bien et qui t'a permis que mette à gain complicité avec bandit pour entrer en Kala pour tuer Madame Edith à départ. Mais la police qui a arrêté pour qu'on ait la pris pour une question d'autorité policière, yo, mais responsable du ministère qui sa communication, yo voyez toute sympathie, yo, tout support, ben monsieur Camille Gilepa, qui c'est directeur général, ministère qui sa communication, qui perdit Madame Ni samedi 2 avril, là, côté bandit entre la Kala qui a assassiné Madame Ni, mais n'a dit sur l'information, monsieur Camille, qui pas présent dans Kailan, dans le moment, Zaksa, lui-même, l'état passé. N'a toujours été sous dossier insécurité, gain collectif avocat Cap Défendre Douamoun qui critiquait autorité au qui jusqu'à présent pour qu'on cache une botte insécurité à mettre Arnel Remédil, Saint-Hilindigné, l'Eltan, débattonné, l'ordre d'avocat obligé pour aller faire sit-in pour l'état, délocaliser tribunal à cause insécurité, avocat quoi, c'est l'autre forme, l'état qui conscient, qui a retiré pays dans sa lié là, en côté mettre Arnel Remy. Non, mon gouvernement, la mandé qui projet gouvernement, qui projet réel pour 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de gain parce que pas réfléchir pour la continuité, pas réfléchir pour l'avenir. Ils sont l'état pompier, des problèmes dans la vie de vol, ils essaient d'éteindre et puis nous recommencer encore. Donc, on comprend que nous vivons dans une société. C'est des situations comme ça qui poussent acteurs en dehors de la société. Parce que ça fait mal, ça révolte, ça révulse. L'état là, on se pose des questions. Où est le Premier ministre, où est le CSPN? Pourquoi est-ce que des mesures ne sont pas prises rapidement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils foutent? Et sur expression là. Les grandes de cliniques qui ont pu reprendre, pas un minimum de sécurité, côté des CPJ, pour qu'ils s'en mesurent pas moderniser, pas qu'on est informatisé. Il y a des témoignages côté que mon victime de kidnapping des CPJ, monsieur Abdou, ah mon cher, excusez-nous, machine n'a pas de problème gaz, donc pour aucun moyen pour déplacer la cougna. Donc, tout ça sont ensemble de problèmes, si vraiment pas qu'on l'autre élite. Parce que monsieur qui l'a eu, qui se complaisent, ils sont satisfaits. Donc, vous venez comprendre que projet société pas intéressé les leaders haïtiens. Elle dit ça qui intéresse, ok. Ça a bon pour moi, un bon poste, éviter les ok, un bon job, ok, il a touché, femme a touché, ça va. Mais le problème qui ronge la société pas intéressé. Pour les masses, ça pas intéressé. Pour les gens qui vivent dans la crasse là. Pour les gens qui la saline. Vous ne connaissez pas qu'on est. Gardez les trois vidéos pour écouter de mon avis. Mais non, gardez, on va le voir ça qui un peu révulsé comme avocat. Pour eux, c'est ma bâtonnière qui prend son sit-in devant primature pour m'aider à délocaliser le tribunal. Alors que sécurité, c'est même le premier monde qui vient coupant la parole en matière de sécurité, c'est l'État. Maintenant, ça qui vient la cougna, ça fonctionnement pays n'est tellement pas intéressé, monsieur, que même la sécurité, même le droit à la vie, le droit à la sécurité n'intéresse personne. C'est comme si on t'a dit, Ariel Henry et son gouvernement constituerait un principal obstacle, mais le principal obstacle au respect des libertés individuelles. L'État pays n'a pas qu'à bonne sécurité. L'État pays n'a pas qu'à permettre que je circule librement. 7 heures, Oumanes. C'est donc un couvre-feu. Maintenant, moi, je pense que ce sont l'autre équipe qui vient. Alors, nous croyons dans émergence jeune. Nous croyons en émergence, en nouveau discours. Nous croyons dans émergence, en nouvelle orientation. Il y a des équipes jeunes qui apprennent ces pays. Ils pratiquent tout. Ce sont leur forme de pratique. Oh, justement, leur forme de pratique. Nous toujours dis ça. Regardez-moi ça. Si nous avons un cap dessiné, on va extraordinaire. Il y a des jeunes qui accèdent au pouvoir. Boric a 35 ans. Président chilien, il y a 35 ans. Il dit, ouais, bon, nouvelle idéologie qui a émergé là, qu'on y a là. Il dit, le premier ministre australien, qui l'agit, quelqu'un de 36 ans, a dit son ensemble de jeunes qui ont émergé là, pour qu'ils s'en nous même tout. Mais ça va partir de la bonne fête parce que n'est-ce pas fait le boulot. Pour la déclaration, M. Arnel Remy, qui lui-même, qui t'a parlé concernant, et on a parlé avec, toujours avec M. Arnel Remy. M. Arnel Remy, persuadé que ça n'a pas assez pour résoudre un problème et sécurité. Et voici dans mon encroix et sécurité, c'est fait tout mauvais la vie, chômage. Génieur fait face à un pays, c'est tout dans le quartier populaire. Responsable cadeau, qui pour nous dire bien, M. Arnel Remy, croit tout y est, 2-3 bandits, plusieurs l'autre à remplacer le, qui donc, doit gagner en politique publique pour un cadre jeunesse, non. Parole, maître Arnel Remy, nous évitons d'écouter là. Je suis avec deux trois monsieur, alors deux trois Nicolas Kamen, puis à parler avec Zim. Maître Remy, bonjour parole. Adieu, Omega. C'est comme ça que fait nous idée pour m'entrer dans la gang, parce que je suis frustré. Maître Remy, je finis l'école, moi m'apprenne,
me fait ébénisterie, m'aller me fait informatique, m'aller mettre en bas là même, mais pour me jouer notre job. Et puis là, dit que les dépôts ont CV, d'aller en ONG, pas même si c'est ONG, mais il a rencontré le directeur. Il a rencontré le directeur, de qualifié, mais pour l'autre bagaille, pour l'autre bagaille, besoin d'un monde. Il a dit qui ça lui. Le directeur a demandé de coucher comme jeune garçon. Le directeur a dit, pour mon job, ça là, faut coucher ensemble avec mon garçon. Donc tout ça, c'est pour nous autres. L'autre des jeunes, ça a fait témoigner, ça a dit, face à de telles situations, il n'y a pas d'autre choix. Pour qui ça me fait approche, ça c'est pour aller plus loin dans la question de sécurité, pour comprendre effectivement le problème de la sécurité. Tout ça c'est des palliatifs, c'est vrai, et contrôler les droits, etc. Mais qui ça va en sécurité? Il faut études anthropologiques et sociologiques. La majorité de jeunes ne parlent pas réseau, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de travail, ils ne sont pas capables. Maintenant, puisque ils ne sont pas capables, ils jouent dans le port de sortie, ils prennent la donne. Maintenant, puisque il y a l'État en dedans, la société, maintenant, l'État, ça, qui réponse les bails par rapport à l'ensemble de jeunes, ça? Insécurité, hein? On prend le risque de Kounia, moi, comme moi, déjà font task force, comme ça. Mais le problème n'est pas ça, l'a toujours répété. Parce que écoutez, bon chef de gang qui tombe, bon base qui tombe, la pour monter, la pour former encore. Yeah. On a les nan problème là. Rivé coup de jeune, yo, essayez d'attaquer le mna, on dit en aval, on dit, bon mal chita avec, pour que ça m'a metté dans l'école pour yon, bon m'rive ensemble, et au sac pis du Romanes, fléon arrive tellement arrivé dans le niveau, même le moi-même comme l'État, m'ta dit m'a porté des solutions, écoutez, gon l'autre bagage, gon aspect économique considéré, le dollar américain qui bat son plein, c'est-à-dire, un dollar qu'on aime qu'on lance 120 gouttes, 120 gouttes, maintenant, dis un jeune, ok, m'a pris 100 jeunes, dans chaque quartier défavorisé, ma bon job, il a touché 15-20 000 gouttes, par exemple. Maintenant, convertir, diviser 15-20 000 gouttes ça, diviser par 120 gouttes là. Maintenant, est-ce que l'a satisfaisant pour besoin côté singulier? Bon, on se comprend, non? Donc, tout ça, c'est un ensemble de considérations, de réflexions que l'État a fait pour attaquer le problème de sécurité. Déclaration Maître Arnel Rémy qui a parlé de situation de sécurité qui est dans l'école de pays et situation tout pour avocat dans le Port-au-Prince, justiciable tout même capable de jouer un petit morceau de justice à cause en bas mais question et on dit à Sisio pas qu'à faire question de sécurité. N'a pas tourné sur information ça puisque nous connaissons là gagné un bar ou l'autre avocat Port-au-Prince qui était réuni en assemblée nationale pour demander avec autorité qui l'a eu pour capable de déplacer des on dit relocaliser. Mais pas la justice en bas pour question de sécurité. Mais conseil l'ordre, avocat Port-au-Prince, qui constatait que le gouvernement Dr. Ariel Henry n'est pas bah, trop important, c'est ignoré résolution qui était prise pour côté ensemble avocat en bas Port-au-Prince, dans la date qui était 11 mars 2022. Côté avocat était réuni en assemblée générale spéciale, mais en conséquence avec ça qui était ouais dans point 2, alors 2C, mais résolution ça qui était prévoit que dans le cas gouvernement lui-même, il a refusé, mais demande ça qui fait d'abord côté avocat dans le Port-au-Prince pour capable relocaliser tribunal premier instance Port-au-Prince dans l'autre endroit qui puisse sécuritaire, côté que pas aucun problème, mais avocat et justiciable, et avocat a réuni avec Toge sous dans périmètre résidence premier ministre, c'est ça qui est sorti dans la résolution. Si toutefois un bien gouvernement a refusé pour le capable agréer de Mandio, mais selon Abawa, mais ouais que le gouvernement lui-même n'est pas répondre avec la demande qui s'est relocalisé et par la justice en bas, mais dans ce sens ça, il a exécuté point de séance côté invité tout avocat, tout justiciable dans gros sitting cap fait vendredi 8 avril cap vinila 8 avril 2022 qui a venu là, sorti 9h le matin pour arriver 11h, d'ouvant, entrée, résidence officielle PM. Non, Musso, côté là, il a préalablement encore forcé avec le gouvernement Ariel Henry lui-même pour lui capable d'attendre pour le relocaliser. Et bien, pas les justices en bas subissent à tourner. Alors, dans ce sens, responsable Andy Batonier qui s'est marié sur le go, demande avec tout avocat qui n'a pas porte prince pour capable de venir avec Toge Suyo pour venir mais critiquer comportement les PEVAC, autorités concernées face avec demande yo fait pour demander relocaliser par les justice nan, en bas. C'est ça n'est capable dit non à visa. Mais rappelez, c'est vendredi, mais ensemble avocat n'a pas porte prince annoncé. Donc gros sitting ça devant résidence PM nan Musso, sorti 8h pour y vivre.
arriver 8h, alors 9h pour arriver 11h30 dans le matin, vendredi 8 avril. Cap vini là. Nous allons poursuivre avec information. Il y a chef paquet Okaila qui voyait invitation by organisateur match qui était fait 29 mars là. Nous avons une réaction qui fait sous ça. Invitation militaire politique dans paquet Okaila pour jeudi lundi li reporté pour une autre date. Et nous avons rappelé invitation ça fait suite à un mouvement protestation qui était fait 29 mars nous avons été grand pile victime dans le cadre de mouvement ça parmi eux correspondant journal et radio méga Jean Vanel Soliman. Mais une réaction qui fait sous dossier ça nous praler avec responsable Sainte-Caille l'évêque là qui réagit sous dossier ça après décision qui prend pour inviter et organisateur mouvement 29 mars là ben gagner et coordonnateur Sainte-Caille l'évêque là qui qualifié tempête invitation chef paquet au cas la voix by quelques organisateur match au cas la 29 mars passé à gardien maison neuve rappelé c'est la police qui était de garantie sécurité pour éviter dérapage des fois c'est doit mon dit pareil pour descendre à défendre protestataires qui t'a exprimé frustration par rapport à ce blocage dans le grand sud pays depuis 8 mois en côté mettre gardien maison neuve en amico mané samedi. C'est à la perdu. Il t'a vu invitation by Ariel Henry. T'as la perdu, c'est n'est qu'à bâiller menti pour faire ouais. Et c'est n'est qu'à faire chaud. Parce que la population prend la rue, c'est pas organisateur au cas pour bâiller sécurité. C'est la police. C'est la police pour éviter des rives. Donc, où l'MT dit que n'est qu'à bâiller cob, y'a bâiller 40 000 gouttes, y'a bâiller 40 millions de gouttes. Ici, y'a dit, envoyez mandat. Ben, moi, j'ai un mandat. Parce que moi, je suis responsable organisation de l'OAMUN. Il y a la loi pour me parler. Il n'y a pas qu'à retirer ça là-même. Il n'y a qu'à retirer seul bail. Il n'y a qu'à retirer ville. Ça, c'est plus petit bail, on est qu'à faire. Parce que je vais mourir quand même un jour. Donc d'abord, pour un terme, je ne vais pas toujours pas m'arriver. Pour quand c'est un terme, je fais. Donc, monsieur, Nexa, au cas là, puisque l'Okaï a fait chaud, comme si l'Okaï m'y est tout, je vais à l'Okaï, je suis arrêté. Comme monsieur fait bloquer Matissa, il fait un bac à l'Okaï. Comme monsieur fait bloquer Matissa, l'accusation a fait là. C'est pas l'accusation lié. S'il a arrêté le monde qui allait dans l'aéroport qui dit que faut qu'il a passé Matissa parce qu'il n'y a pas de 240 dollars américains pour passer. Il n'est pas questionné pour qui ça a manifesté. Il seulement arrêté. Ça veut dire qu'il y a intérêt tout dans bloquer Matissa. Ça veut dire que c'est intérêt parce que ce n'est pas seulement physiquement les gens agit. Mais il faut garder l'intention tout dans ça l'affaire. Parce que il y a intention tout. Vous comprenez? Donc, Mounio sorti, ça fait 8 mois. Hein? Ça fait 8 mois. Lui-même comme autorité, il n'a pas questionné. Comment malheureux qui a fait, qui sorti cavaillon, qui a banane, patate, c'est pas trop précieux, acheté pour vendre. Comment ça fait vivre pour le payer l'école petite, tandis que c'est des sales vivres. Ça n'a pas questionné. Mais comme on dit que faut pas rendre casse-toi quand entrer votre presse. C'est un vieux qui fait que nous n'avons fait comme qui fait que pas débloqué automatisant, il a arrêté. Donc moi c'est une irresponsabilité. Quelque part il y a une certaine part de responsabilité et monsieur Lada. On nous rappelait bien rapide moun qui joue une invitation paquet dans Okaï et pour capable répondre à une question responsable. Nous prenons le ou de non moun ça bien rapide, mais nous rappelons tout, li renvoyé, c'était pour jeudi, mais li renvoyé pour une autre date, si Cavens la guerre, et puis après ça, gagné une autre moun qui joue une invitation pour y aller répondre question la justice après mouvement 29 mars. Calix Jean Ferguson, c'est deux moun sa qui t'a supposé à répondre à question la justice dans Okaï. N'avancer avec information que Pascal Adrien qui croit c'est démagogie si certains moun qui a critiqué l'autorité yo et qui décide faire suivi à mouvement 29 mars en côté un avion te boulé. Cependant, responsable mouvement toutounien qui critiquait premier ministre Ariel Henry Lézy qui mettait accent sur avion pendant l'oublier citoyen qui était président de la ville, Pascal Adrien fait qu'on est tout c'est normal pour l'État dénoncer et façon avion te boulé. En côté Pascal Adrien, Namiko Romanes samedi. À n'importe qui moment que gagner non seulement perte en vie humaine, faut que l'État lui-même lui gon réponse par rapport à ça, mais les gagner type de perte matérielle ça et tout, pas d'accord avec dit que mon cher c'est pas important, pas d'accord. Et me pense que c'est démagogie que lui. Moi même demain matin, moi ministre
et justice, moins premier ministre et autres, monsieur Maisonneuve et autres, etc. Gagnons monsieur X qui régulièrement paye taxes, qui gagne machine, qui gagne l'école, qui gagne l'hôpital, qui passe en bas flamme, l'État qui est là pour le porter le garant de jouissance droit de tout le monde, autant que le supposé gagner une parole par rapport à revendication légitime, colère population, il faut une réponse qui vienne par rapport à lui, quel que soit cette citoyen qui lui-même tout gagne un ensemble de comportements qui portent préjudice à activité parle, eh bien, même le, c'est pas la même considération par rapport à la vie. C'est pas la même considération par rapport à frustration légitime mon par rapport à insécurité. Faut que tu aies une parole quand même qui baille par rapport à, on est capable de dire, perte matérielle qui enregistre. Alors, fort, extrêmement gravissime que le Premier ministre a gagné, qui fait moi-même condamner la déclaration. C'est parce que j'en parle, c'est comme ces grand événement ça seulement qui dépasse dans le joie. C'est seulement lui-même qui est important. Tout reste c'est pas l'empile. Tout reste c'est vous et moi, tu fais une piétine. Voilà, déclaration Pascal Adrien. N'a toujours été dans le grand sud paysan, côté. D'après un inspecteur général à chef police nationale, qui c'est Fritz Saint-Fort, qui était en mission, mais qui était à fond environ dans le sud paysan là, pendant le week-end, non, sous instruction, déjà, et la police, un peu, qui c'est Franz LB, côté inspecteur général à chef police, non, qui c'est Fritz Saint-Fort, lui, rencontré autorité dans le système judiciaire là, parmi eux, le commissaire gouvernement au Calan, Ronald Richemond, rencontré directeur aéroport Antoine Simon, dans Kailan, Tévenin Olivier, lui rencontre tout représentant organisation société civile, là, notamment, eh bien, homme d'affaires, bien entrepreneur Valérie Numa, qui est en même temps journaliste, mais c'est rencontre ça, lui viser, harmoniser relations entre police nationale avec tout acteur régional et local qui est dans le département sud-payant pour capable aborder problèmes et sécurité, hein. Et partenariat ça entre la justice, la police, la société civile, là, les deux favoriser ça, les renforcements à disposition pour capable quimber le public, hein, en même temps tout, éviter tout un dérapage qui est capable de déboucher sous un incident regrettable comme scène destruction bien public à cas privé comme si pour pas gagner ça n'est pas dit à bien l'état à cas bien privé monde qui attaque même qui détruit numéro de la police en liberté profiter pour le capable renouveler engagement police nationale haïtienne pour capable continuer travail bon côté tout secteur dans la vie nationale dans cadre mission qui s'est protégé à cas servi la bien à vie monde non strict respect la loi n'a pas rappelé que pendant la cérémonie d'installation qui était faite jeudi 31 mars a passé, un nouveau directeur départemental sud, Daniel Compère, mais inspecteur général en chef policier, lui précisait que mais un bon commandant doit toujours présent, doit toujours là pour capable tendre, mais toute andi équipe li est toujours disponible et doit accessible et doit ca joindre dans cadre mission dans cadre travail li parole qui dit bon côté inspecteur général en chef policier national qui c'est Fritz Saint-Fort pendant visite li pendant tout ce qu'il t'a fait dans grand sud pays. N'a poursuivre avec information yo nous pour aller avec l'autre intervention dans journal là et responsable responsable bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique maître Caleb Jean-Baptiste qui pour explication sur dossier ancien député Arnel Belizier là homme de loi qui était témoin des actes à expression groupe Negame dans Solino parmi un policier l'été libéré qui était dans prison qui tirait sous Arnel Belizier ancien député a reçu 4 balles gros calibre d'après maître Caleb Jean-Baptiste qui dénonçait diversion politique fait dans dossier ça en côté maître Caleb Jean-Baptiste en micro Josué Belamou le moi-même arrivé en dans Solino n'a pas avancé nous tendait plusieurs balles popopo et puis monde qui était devant eux parce qu'on son mobile nous a pour venir je fais dit camper mobile là mais aller pour me descendre nèg exam déjà arrivé sur nous mon courrier descend mobile là je fais atterre les mobile là et plusieurs autres monde qui était là qui couille mon descend mobile là et puis yo mandé yo fait injonction avec Anel Belizer mais c'est pas petit zam petit c'est un pile gros zam et puis yo si nous c'est nous trois monde qui pour parler à yo moi même Anel Belizer et puis yon l'autre camarade encore grand frère descend mobile là zam prêté sous lui zam prêté sous moi zam prêté sous l'autre yo frappé Michel Loba yo aller pour ta même fusil moi dit m'pas ga fusiller Michel Loba monsieur faut mon ta fusiller avant ça le fait mais yo les armes moi qui des frères moi dit je m'pas ga tirer frère moi reconnaître yon policier que moi t'ai lagué ça gavion un an dos là et toi pour se t'arrêter me juger c'est habillé à faire yo te vinn côté yo pas de l'argent tu choisi libérer et grand frère Anel
colonel Belizère qui encourait à j'aime libérer eux parce que le dit les policiers yo c'est monsieur des amis à faire il va gagner l'argent pas au coup mais nous pas au coup mais on t'est libéré monsieur les moi ou nan yo moi penser nous tout en sécurité moi mander un seul bagage s'il vous plaît quittez nous passer ou bien si nous pas capable passer n'a tourner pas un examen dit nous pas passer mais c'est pas peuple Solino qui te dit nous pas passer c'est pas peuple Kafou Payan qui te dit nous pas passer parce que yo t'es vraiment avec nous yo t'es devant mobile yo t'a danser yo t'a chanté yo t'es dit faut que ça crase donc système n'a pas et bien un clé pile coup de balle à tirer moi dit lui moi pe balle moi pas habitué à toute balle balle ça moi même moi sur les qui lâche qui capon dans bagage zam s'il vous plaît bay nègre l'ordre pour repartir bagage pour ça policier que moi t'ai libéré que moi pas cité non pour connaître et puis gonne qui prend ton zam manche long dans tête moi le que m'a appuyé sur frère Manel moi dit monsieur pas faire nègre ça donc pousser frère mais on bouche pété donc pousser me pété bouche on dit ouais il fait nègre yo descend zam qui dans tête moi par la suite yo dit nous en sortie monsieur prend nous il propose sorti pour grand frère il est fusillé à Nel Belizère les moi kounia la m'ka mou innocent moi font jambe une près devant une près derrière m'a aller aller jusqu'à ce que mon moto rejeté tout autre bazane ou t'as craser mobile c'est comme ça les si que m'ka faire diversion poser moi pas gè preuve pour m'accuser mon défaut 509 moi seulement connais bon policier qui était en prison qui était sous les lieux ça dit un abuseur m'pa ka di li pat là mais moi même personnellement moi pas toi Renald Koutoua dans monde qui pas gè kagoule t'as douté fort pour misère passer pour toi pour sacrifice me faire pour toi pour le taouem là pour toi n'a pété bouche pour t'a quitter n'a tué m'a dévoilé le bail de CPJ m'a dévoilé le bail secrétaire général tout ça soit un député a mérité la fête s'il méritait pour quitter pays à pour la pension là bas à faire et moi c'est que famille zamili proche li et a fait tout ça possible si pour quitter pays dans les jours qui viennent la quitter si pour quitter dans les jours qui viennent la quitter si pour rester tout la côté. Maître Caleb Jean-Baptiste n'a toujours été avec homme de loi côté les dénoncer les jetés qui gagnent en déclaration commissaire gouvernement Port-au-Prince dans le dossier Arnaud Belizean qui victime tentative assassinat c'est l'autre commissaire Lafontaine recevoir non mais autorité au nom gouvernement pour faire déclaration ça et qualifier diversion d'après homme de loi qui doutait victime à jeune justice la parlé de Arnaud Belizean avec présidence ministre justice Lamberto Dorsey intérieur hein, ministre intérieur dans le gouvernement avec la commissaire Lafontaine dans le paquet Port-au-Prince pendant le mandat des CPJ pour qu'en responsabilité il n'en doute ceci là Maître Caleb Jean-Baptiste. Oui, donc c'est ça, Jacques Lafontaine. Pour en responsabilité, Jacques Lafontaine, c'est le commissaire gouvernement là. Et par cette raison, nous choisissons là, nous dit. Moi, monsieur, a fait une diversion dans un dossier extrêmement important qui comporte national et international. Mais ouais, Jacques Lafontaine, la palais ferait-il affrontement, blablabla. Qui affrontement la palais? Affrontement tel qu'on dit avant? Ou bien c'est affrontement pendant que nous-mêmes avec le peuple là, nous t'avons allé. Nous voulons connaître. M'a dit Lafontaine, si son job sale l'a fait, si son job corrompu l'a fait, si son job yo mette le fait, yo vle cacher auteur intellectuel, complice auteur criminel, si lui même tout l'état consalier, plutôt le faut poser. Et s'il connaît que justice pas fait dans ça, plutôt rapidement quitter tête paquet. Et mais doute fort avec Ariel Henry, avec Dorsey, ministre justice qu'il a, avec Lafontaine, qui est n'a besoin de justice pour Anel Belzer. Mais doute fort, soit Lafontaine, grand matin, soit l'état fait ça, avait dit recevoir l'ordre de chef. Est-ce qu'on pense au commissaire de Cafon en bêtise comme ça? Non, dossier aussi important. Nous venons plus convaincus encore sur le bail planifié. Vous êtes assassiné ancien député d'Elma Taba, leader. Vous êtes assassiné M. Caleb Jean-Baptiste. Vous êtes assassiné Pierre Kilik Semelus. Et vous avez battu tout le monde qui est arrivé. Parce que cousine Kilik qui était là, c'était Johan. Il a battu à la de Kilik. Des CPJ pour une responsabilité. M'a demandé la faute. Suspendre avec cette démagogie l'affaire. Quitter tête paquet. C'est peut-être ça. On monte pour parler de la balle dans le paquet. Parce que c'est un dossier comme ça, un dossier qui a importance comme ça. Il y a un grand frère à plusieurs balles dans le niveau de l'estomac, monsieur. Nous, on a qui bon. Elle se touille, elle touille. C'est bon, Dieu dit que mission pour quoi accomplir. Équipe la clé, bataille à continuer tout le temps qu'il existe. Tout le temps qu'elle existe, tout le temps qu'elle existe. Bataille à continuer jusqu'au bout. Gen Renald Koutoua qui dit même qui sorti en note puisque non l'a cité comme quoi li t'a fait partie moun qui t'a tiré sous ancien député Arnel Belizean nous li note ça pour bien rapide et Port-au-Prince 2 avril 2022 note pour la presse m'a salué la presse en général m'a profité saluer les haïtiens pour courage malgré souffrance calamité qui pas jambe bouquer montrer que yo besoin vivre et m'a des bonnes conditions la vie jodi a moi vinn rappeler les haïtiens moi c'est un policier qui pas jambe mélanger dans aucun vice
des actes malhonnêtes. Parce que moi j'aime mon, moi j'aime la vie, moi j'aime famille, moi seulement déterminé pour participer dans la revendication de mon cap violé chaque jour dans le pays. En tant que policier, rôle moi c'est protéger avec servir. Moi saisi tant d'un pile manœuvre qu'a fait pour attribuer avec incident grave qui rivait grand frère moi, Zambi, ancien député Arnel Belizère, dans zone Kafou payant, comme quoi qui m'était participé dans tirer sous mon. Moi voyez j'étais bien loin toute accusation méchant ça yo. C'est une façon pour continuer sale image mais comme un policier qui victime pour conviction qui passait plus passer 11 mois en prison innocent. Moi pas mon pas jamais un jour dans vie utiliser armes pour me tirer en dehors principe la police qui c'est légitime défense qui puis gros méchanceté pour me t'arriver tirer sur un groupe monde qui a pas les mêmes paroles avec moi un monde qui croit un petit ghetto a pas condamné pour vivre dans classe faut que moi tapis gros criminel pour me participer dans un crime comme ça moi pas jamais gang et m'a rappelé peuple ici un jour ça moi pas dans zone là et me pas connait si député a passé dans zone là puis c'est député si on habite dans zone là c'est pas jour ça les convenir seulement les qui monde dans pays qui t'a osé dire les par contre Arnel Belizère moi condamné avec toute force moi Zack ça qui vit frère là et m'a demandé bon Dieu la vie pour le protéger et balle tout soin pour le sortir sain sauf pour le continuer bataille pour bien-être pays et puis pour aider et la justice à joindre vrai coupable Renal Coutois policier victime. Voilà, n'a toujours avancé en garder ça rapidement avant nous avec l'autre information. Bon fait, bon dit rapidement parole ça. Bon côté maître Renal Georges et puis après bon aller dans notre grande information ça concernant mais $50 là mais c'est gouvernement qui la cause dans ces députés en Belize victime, ces déclarations dirigées Alliance pour libération avec avancement avancement d'Haïti maître Renal Georges qui critique autorité conseil nous dit qui fait silence sur le dossier insécurité qui a validé rien en Haïti à depuis un bon boutin. Homme de loi croit c'est volonté gouvernement pas gagné pour les résoudre un problème non à cause climat insécurité à bon pour yo. Parole maître Renal Georges. L'autre information dans le journal, là, question $50, qu'on ne va pas la pile satisfaite en pays jusqu'à présent. Mais il y a un tribunal fédéral aux États-Unis qui a ses décisions. Il y a un tribunal inférieur pour ordonner. Ils ont poursuivi un dossier taxe qui concernait plusieurs présidents haïtiens. Mais compagnie téléphone et compagnie transfert d'argent. Il y a une plainte qui était déposée dans un tribunal dans New York dans l'année 2018 qui était accusé en ses présidents Michel Joseph Martelly, Justin Privert et même ses présidents Jovenel Moïse. Est-ce que tu es conspiré pour yo fixer sa mêlée pour appel, prix appel téléphone et transfert d'argent pour financer le programme éducation qui pas même existé non décision de 41 pages l'IPCRAN alors non je veux dire le tribunal fédéral américain fait connaître dossier ça qu'a avancé devant le tribunal américain trois juges qui formaient panel tribunal fédéral là renversé une décision de tribunal inférieur IPCRAN sous dossier ça dans l'année 2011, 2010. D'après ça qui dit que le tribunal américain n'est pas capable de décider sur propriété, action, yon pays étranger. Mais décision qui était prise jeudi 31 mars, ressuscité dossier ça. Plainte originale est déposée dans l'année 2018. Après le président Michel Martelly a annoncé un programme lité lancé dans l'année 2010 qui est le PSUGO, programme scolarisation universelle gratis obligatoire. Pour financer programme l'école gratis ça pour tout le monde en Haïti programme ça t'a financé avec une taxe $1.50 sur chaque transfert et 5 centimes sur chaque appel international plainte là reproché officiel gouvernement haïtien avec coopération yo est-ce que yo fait conspiration pour fixer mes prix yo mais plein yo fait connaître tout que programme éducation ça pas d'ici et ni créer ni exister en un pays d'après ça vous dit c'est Austin
Offridge, Mia Downs, New York, avec Marcel Denis de Denis Lara Group, qui est basé dans Brooklyn, qui était déposé plainte ça, contre ancien président Michel Joseph Martelly, ancien président Justin Privert, ancien président défunt Jovenel Moïse, d'un côté, mais de l'autre côté, tout contre Western Union, Caribbean Hermes, Cam, Digicel, Haïti et Digicel, États-Unis, ensemble de compagnies de transfert avec et compagnie téléphone ça qui c'est Digicel et mais qui ensemble selon ensemble de avocats sérieux qui mettaient ensemble pour capable de prendre l'argent de là jusqu'à présent. Mais l'affaire qu'on est un petit rappel, c'est presque chaque semaine on ensemble des directeurs l'école qui n'a programme sur quoi à participer devant une loi qui a ministère à gain dans 83 et on a ministère qui est plus au calendrier paysan qui a demandé directeur l'école ça a demandé pour capable bayo l'argent sur quoi. Mais l'affaire qu'on est tout grand pile directeur ça autour l'école pas de jambe là il a mal de l'école. On va ça avec l'information. Non, bah oui. L'autre information dans le journal là, nous prenons parler l'autre dossier et pour un cadre journal là, gagner rassemblement madame Sarayo qui organise hier dimanche dans Pétionville une journée réflexion sur autonomisation madame Sarayo. Activité ça s'est déroulée en présence du ministre condition femme droit femme ministre éducation nationale là avec secrétaire d'état mon handicapé yo. L'intervention coordonnatrice générale Ramsa a profité dénoncer phénomène insécurité qui a un impact sous activité madame Sarayo, surtout dans le grand sud de pays. Jocelyne Jean-Louis m'a dit à l'autorité au conseil pour agir pressé. Il y a une façon pour donner une solution à la crise. Madame Jean-Louis dénonce tout. Mauvais condition madame Sarayo à Absibi. La voyage et puis elle vend marchandise. Ça qui d'abord exposé groupe Mounsayo avec l'amour. Nous, pour qu'elle permette d'écouter l'intervention Jocelyne Jean-Louis qui lui-même c'est coordonnatrice générale qui est Ramsa qui t'a parlé dans le micro Radio Mega. Journée 3 avril ça, il dit en pile bagaille, non seulement pour madame Sarah, pour femme yo. Nous sous deuxième édition nous côté nous mettez tout département yo chita ensemble pour une porter revendication madame Sarah. Allez, bah, tout le monde qui doit tendre pour tendre les difficultés de Sarah. Moun sa yo, qui pa konn la nuit, qui pa konn la journée, qui pa konn soleil, qui pa konn la pli, moun yo plus négligé, 85% dans le secteur informel. Qui est la revendication de Sarah? Revendication de Sarah, c'est sécurité. Yo besoin. Insécurité ça cap ravager tout haïtien. Spécialement grand sud là qui gen plus que 6 ou 7 mois depuis moun sa yo a connait moment difficile à cause yo pas ka traverser Matissan. Pas seulement grand sud là, grand nord c'est même bagaille là. Mado Sarayo, c'est marché moderne yo besoin. C'est vrai. Yo besoin. Ces formations, yo besoin. Et 21e siècle, ça, madame Sarayo qui baille toute couche sociale, avec président, docteur, agronome, ingénieur, pour voyager sous deux camions. Ramsa qui se rassemblement madame Sarah Haïti, dit non. Bus pour madame Sarah, camion pour marchandises. Qui ça n'a pas de autorité pour faire pour nous ça avec encadrement nous besoin. Mais pas quoi avec phénomène de sécurité. Nous besoin de sécurité. Nous parler dans en ville provinciale Marcel Joseph. On peut dire élection Cap Haïtien commence à y dans Cap Haïtien. Bonjour Guino Duvernay. Bonjour Jean-Louis Lesever, bonjour Blaise Peterson, bonjour auditeur Radio Mega, bonjour pour toutes les amis pays d'Haïti au Cap-Haïtien et matin calme, activité déjà reprendre. Nous connaissons semaine ça, semaine 7, en pile l'école, déjà bail congé, mais activité reprendre timidement. Blackout là, lui-même, c'est lui qui a fait actualité dans la deuxième ville, pays d'Haïti. L'hôpital Université JCS, vous trouvez dans une situation très très critique. Côté personnel, continue, pas demander l'état, pays. Plusieurs mois, ticket là, et bah, yo, une meilleure condition travail.
Bien, journée nationale mouvement femmes haïtiennes, nous gagnons à FASTA, dans tête coulée à plein, t'es mettez voyons ensemble, dans fait plaidoyer pour femmes actifiques capables de jouer bon genre justice avec la soignage. Gagnons gardien, c'est un groupement sociopolitique dans le département Noa et qui fait un plaidoyer pendant week-end, dans tête li madame Sénéphigil, ancien sénateur nord, et même qui a demandé pour que gagne une intonation l'institut la population capable prendre conscience pour vraiment yon capable mettre yon ensemble avec famille pour au moins mesdames yon et pour pays en général capable prendre conscience pour retirer pays dans situation li trouver journée jodi a Kofadi collectif des femmes avisées d'Haïti pour le développement des initiatives économiques réalisées en journée FOA sous place d'âme Grand Rivière du Nord. Mon esthète Juliette, qui est initiatrice mouvement SILA, il fait connaître c'est pour que mesdames soient capables autonomes, pour y côté mesdames soient capables de créer des activités, des revenus, parce que pour être capables de jouer l'égalité, il faut que mesdames soient capables de créer et faut que gagnent indépendance économique, bien que plusieurs autres organisations te poté couler avec lui sous place d'âme Grand Rivière du Nord côté tout Marivien qui gagne non gâteli et qui l'a fêté 100 ans un personnage dans zone Grand Rivière du Nord. Et puis gagné question insécurité dans département Nord-Est, gagné Fedmel Bouvet qui c'est ici parquet fort liberté qui jeune arrestation li pour faux en écriture publique ak usurpation de titre selon commissaire gouvernement maître Eno Zéphirin. Toujours dans département Nord-Est, gagné responsable direction administrative pénitentiaire fort liberté ak tel autre agent qui arrêté pour faux en écriture ak usurpation de titre. Voilà, c'est ça qui a fait l'actualité en département Nord. Avec Nord-Est, situation toujours compliquée pour route nationale numéro 1 et route nationale numéro 3 de Cap-Haïtien jusqu'à arriver Saint-Raphaël.